Affaire, il y a affaire, il y a affaire. Bonjour, frère et soeur, bienvenue sur Soubonne. Ce star de TikTok n'a pas 2100 francs pour payer le taximan. Le taximan a décidé de bloquer son téléphone. C'est quand même curieux, non? Une personne célèbre sur TikTok qui n'a pas de l'argent pour payer le taximan. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, la fille, elle allait voir son gars. Et elle voulait faire du arrivé payé. Mais ça a mal tourné. Arrivée là-bas, elle n'a pas de chair. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de jeton. Le taximan dit, là où ça s'en va là, si tu ne me donnes pas mon jeton, ça va être bizarre. Il faut que j'aie des preuves. Et comme preuve, il a décidé de filmer. Il a filmé. Il la filme, peut-être qu'il parle avec elle. Vous allez écouter ça tout de suite. Il parle en anglais, essayez de faire la traduction française pour vous. Vous pouvez également nous aider. Mais il filme. Et il lui dit, ah, écoute, donne-moi mon argent. Hein. Elle dit, pardon, il faut arrêter de filmer parce que je suis célèbre sur TikTok. Les gens vont me reconnaître. Tu vois. C'est que si. Il faut, je vais appeler mon gars. Il dit, d'accord, pas de souci, appelle ton gars. Elle appelle le gars, le gars ne décroche pas. Elle appelle le gars, ça sonne, il ne décroche pas. Elle dit, ah, quel oui. Il dit, ok, le taximan dit, ok. Puisque c'est comme ça, moi je vais te laisser 30 minutes pour essayer de le contacter ou de me donner mon argent. Si tu ne me donnes pas mon argent, tu vas être obligé de prendre ton portable, ton téléphone. De confisquer ton téléphone. Là, il a filmé, il y a des preuves, voilà. Ne pas dire que c'est un braquage. Vous voyez? Voilà. Et elle était là. Les 30 minutes sont écoulées. C'est un taxi-compteur. C'est de l'argent. C'est de l'argent que le monsieur paie. Du coup, il a décidé de prendre son téléphone. Comment ça s'est passé là? C'est ce qui est apparu sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que vous voyez là-bas. Vous voyez, non? Vous voyez l'affaire des véhicules. Et c'est chaud. C'est vraiment chaud. Tout le monde en parle. Et moi, je me pose vraiment tas de questions. Mais avant d'essayer de répondre à mes questions, nous allons d'abord écouter les conversations. Écoutons ça. What I'm saying, please don't make a video of me. Because if you make a video, you're just. Because if people know me inside, I'm a video victim. And I know it's just better for everybody to know what's happening. It's better for everybody to know what's happening because then they say both drivers are rude, right? So I want the whole world to know what's going on. Madam, let me have my money. That is what I'm saying. I'm not dragging anything with you. Let me have my money. Elle nous a dit ça. Elle essaie de le convaincre d'arrêter de filmer parce que. Elle est populaire, les gens vont la reconnaître et tout ça. Il dit, ah, vraiment, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mon argent. Madame, s'il te plaît, donne-moi mon argent. Moi, c'est mon argent, c'est moi qui m'intéresse. You know something is on his duty and it's on his duty. I only told him to calm down. My boyfriend is going to make it. Yeah, that's it. Calm down till when? Is it my business that you're... Et lui dit, ah, je t'ai juste demandé de te calmer, mon petit gars, mon copain va amener l'argent. Il dit, mais comment est-ce que tu me donnes mes caméras? Moi, c'est mon ami qui m'intéresse. Et puis, ton petit ami, là, ton boyfriend, là, il ne veut pas te coucher sur le téléphone. I'm not yet too hard to watch going on. Can you listen? I'm not yet too hard to watch going on. But you know, this work is for hours. Yes. If we delay him here now, he has been making some, you know now. So and he has not settled with you. How you want to? I'm here to pick your rider now. My rider is coming out. Sorry? Are you listening to my conversation? Yes, I listen to you. How you want Did to I give stop you my boyfriend's number? You can imagine that. Why is it my business that I should be calling your boyfriend? What are you saying now? Wait, let me analyze this business for you. Let me analyze. Elle lui dit, ah, mais faut appeler mon petit ami, non?
Il dit, ah, mais comment est-ce que, ou quel est mon poulain, quel est le poulain j'ai avec mon petit ami? Tout ce qui m'intéresse, c'est mon argent. Analyze our business for you. This is how our business works. When I pick a rider pays me and comes down from my car. Il dit que moi, mon travail, moi, mes affaires, c'est de prendre les gens, les amener là où ils doivent aller. Ils me donnent mon argent. Et je rentre dans ma voiture, je pars. Never bothered if a boyfriend is not picking calls. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de dire ah, est-ce que ton petit ami prend ton appel ou pas. One is wrong. If you like, pay 15,000. It's never none of my business. So how you want to sort it now? Now, I ended your trip 10 o'clock. This is to 11. Yes, now. Donc, c'est 50,000 naira. Bon, nous dit 2100 fois. Mon calcul. I waited for 30 minutes. Good 30 minutes. I waited for 30 minutes before I took any action. When it got to 10:20, I ended that trip, and I told her this is. I was even waiting all those times, and you know me waiting. He's not counting anything for me. Yes. I said, madam, when it's 10:20, I will end your trip. I ended the trip at 10:20, and I told her, madam, this is what your fear is. Okay, we keep on calling the boyfriend. He's not picking. Not picking. Okay, now I ended that trip and got another request. Madam, if your boyfriend is not picking, let me have something you can drop. When your boyfriend sends my money, you come and collect it. If you can't do that, then you pay me my money. That one you're saying that. The money, no. 2001. Ah, il dit que son argent c'est 2100 francs. What can you do to save this? It's better you just save yourself all this mess. Because I will get your phone before you are going to leave, mate. I will get your phone. Il dit, ah, avant que tu quittes ma voiture, vraiment, je veux pas ton téléphone. Je vais confisquer ton téléphone. Vous voyez, voici à faire. Ça, ce sont les choses qui peuvent arriver à tout le monde. Il y a des gens qui sont honnêtes, qui comptaient peut-être sur quelqu'un, leur petit ami les a fait ça. Vous voyez, peut-être qu'elle a l'habitude de dépenser l'aide de son gars, et le vieux lui a dit, ok, il n'y a pas de souci, il dit, tu vois, où est-ce que tu vas voir. Enfin, arrivé payé, dès que tu essaies de m'appeler, je ne décroche pas. Il y a des choses comme ça qui ont lieu. Et il dégage sur lui et la copine. Et regardez. Moi, une fois, j'étais sorti. Et ça m'est arrivé aussi. Genre, c'était pas comme ça, mais je voulais acheter quelque chose d'important. Mais il n'y avait pas suffisamment d'argent sur moi. Je regarde la distance de là où je dois acheter la chose sur moi, vraiment. C'est très loin. C'est ce jour-là, je me suis dit que vraiment, avant de sortir quand même, hein. Même si tu n'as pas grand-chose, il faut avoir au moins payé le plus sur toi. Vous voyez? Et puis, il faut monter dans le véhicule des gens comme ça, en n'ayant rien dans la poche. En plus, tu dis que tu es une star sur TikTok. Aïe, aïe, aïe. La vidéo commence à circuler. Ceux qui te reconnaissent vont commencer à se dire, ils vont commencer à rire. Mais, ça peut arriver à tout le monde. Mais faites attention. Il y a des gens aussi qui sont malhonnêtes. Hein. C'est genre ça que le petit ami n'a rien aussi. Mais voulait prendre l'argent du taxi mal. Et c'est 2100 francs. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez et retenez la leçon. Ayez au moins le peu sur vous, même si c'est pour se déplacer. C'est très important. Ne comptez pas sur quelqu'un. Ne comptez pas sur quelqu'un. Ok.